Rubrique abdominée, actualité. Actualité concernant le pays d'Haïti, suspense a continué sous composition officielle avec installation conseil présidentiel transition. Pendant que CARICOM dit, discussion a continué. États-Unis ont placé dans l'armée américaine fait qu'on est Washington pas un plan Kounia pour voir les troupes dans le pays d'Haïti qui a fait face à un pile violence gang armée. International 6e déplacement dans la région Moyen-Orient pour ministre Affaires étrangères Anthony Blinken qui gagne pour objectif entre autres camper détérioration situation humanitaire dans Gaza. Et c'est pour ça yo, avec l'autre encore, nous pourrons développer pour un rendez-vous info actualité. Bonjour, bonsoir tout le monde de Madame Mana qui l'est et qui côté wap tande et puis garde en même temps vidéo ça. Dehan Abdou, bienvenue l'autre fois encore sur channel là pour une nouvelle vidéo d'information que nous portons pour aujourd'hui. Quelque n'a pas encore dominé l'actualité que nous portons pour une information. N'a pas connu la douane française saisit environ 2,7 tonnes de cocaïne dans le port La Hève là. Eh bien, pour la Havre, là, ça passait lundi qui était 18 mars 2024 là. Et l'autre côté, n'a pas connu, eh bien, dossier qui est pour avec. Guerre Palestine, environ 4 Palestiniens mourir dans le cadre d'une opération l'armée Israël, yon même yon tap mené dans le camp réfugié. De l'autre côté, n'a pas connu l'hôpital général annoncé qu'il y a prendre service à partir du 1er avril 2024 là, cap vin là, ça c'est dans le pays d'Haïti. N'a pas connu sorti l'année 2017 pour arriver 2023, USCIS découvrit Franklin Javier Peles Rio qui sorti dans le pays Honduras, lui même fait plus passer 427 moun payé pour faire joindre résidence dans le pays les États-Unis. N'a pas venu avec tout détail. Ancien premier ministre là, Laurent Salvador Lamotte lui-même lui parler. N'a pas venu avec tout détail pour une édition spéciale ça que nous portons pour avec la voix de l'Amérique. Et bien pour ça on pile l'autre encore n'a porté pour une édition journal ça. Mais avant même nous entrer dans pour ça qu'a dominer actualité. Si toutefois que c'est pour la première fois que vous tombez sur channel ça, pas hésiter abonnez-vous avec channel là et toujours activer la cloche notification pour la quitter sur tout pour pas rater aucune vidéo n'a posté pour sur channel ça. Nous pas perdre trop de temps. Nous pas la go dans la voix de l'Amérique et n'a pas retourner notre qui pas trop long pour nous capable venir avec les détails. Dans le pays d'Haïti, eh ben c'est toujours gangamé qui a fait la pluie et le beau temps en pile violence et situation ça, eh ben la cause que République Dominicaine prend plusieurs décisions, notamment le prend décision sous frontière et les partager avec et, bon, République Dominicaine et sous frontière que le partager avec pays d'Haïti. Nous avons un envoyé spécial nous Jean-Robert Philippe qui lui-même trouvait en République Dominicaine. Jean-Robert Philippe grand pile décision qui prend d'après toute nouvelle yo, eh ben autorité dominicaine prend décision par rapport à ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Soit ouais, soit attendez. Depuis semaine là, une situation pas grand aucune amélioration au point de vue de l'opération, par exemple, l'autorité dominicaine qui a commencé depuis longtemps en termes de pour opération les initiés ici qui viennent dans le pays illégalement pour déporter. Donc c'est des centaines de milliers qui sont déjà allés depuis les présents et Luc Sabinadel qui prend une décision pour continuer avec l'opération et dénicher et puis déporter Haïtien. Opération ça va suspendre. Mais dernièrement, dernier incident qui est passé en Haïti, le gouvernement qui fermé, ou bien le gouvernement dominicain qui fermé porte pour et tout pour lui qui fermé, et bien il y a un Haïtien pour quitter même décider où tourner la caillou volontairement parce que tu vas capter et chasse à l'homme que l'immigration dominicaine a fait contre. Donc moi ça j'aime que décider contre. Et c'est un aspect j'attends que nous t'ai gardé pendant des sites de frontière avec les dominicains particulièrement d'Arabon et nous t'ai ouais constaté opération à la continuer et d'après ça tout le monde qui dans la zone nord bien moins responsable de nous opération a continué et rien aucun signe qui montre opération ça la frappe. Jean-Robert Philippe, yo gen question tout sécurité que yo ta mette plus sous frontière et République Dominicaine partagée avec Haïti parce que yo dit que grand pile gang dans pays d'Haïti yo pas ta remè que eh ben les gon bagaille pour yo moun ta vinn entrer en République Dominicaine qui gen ambiance frontière. Bon, ambiance frontière vraiment dit pas on a plus une présence policière même et ça traite les 6 points de frontière là et nous demandé par exemple une commandant qui est responsable et garnison qui sur frontière et qui ça qui est raison pour force sécurité ça là et ben ça dit pour nous dit nous que c'est pas que augmenter présence parce que monde était là et toujours là mais c'est seulement que plus qu'on dit actif. Par exemple, il y a aussi deux personnes qui ont proposé, qui étaient comme proposé longtemps, mais qu'on y a fait, ils ont proposé. Alors, ils ont dit, c'est parce que les situations, la trouble là, en Haïti, avec les gangs qui ont fumé la terre, et bien, ils ont obligé d'ouvrir au plus pour éviter que les gangs ne viennent traverser la carrière, ils ne viennent pas au plus pour gagner tout. Mais ils ont dit que les dernières décisions qu'ils ont prises pour augmenter mes yeux, vraiment, c'est surtout après prison qui est prison qui crasée et les gens qui sont sauvés. Et bien, ils ont dit que les gens qui sont sauvés, ils doivent chercher le côté qui prie pour les réfugiés. Et ils ont dit, le côté qui prie pour eux-mêmes, c'est à essayer de vivre dominicaine. Ça va être longtemps, le ministre de la Défense dominicaine fait visite des frontières et il a annoncé que normalement, il y a augmenté les sécurités, justement pour qu'il y ait la police. Donc, c'est un haïtien qui a été fouillé quand même. Et il y a un agent haïtien qui doit être supervisé pour qu'il n'y ait pas abusé, haïtien qui a sorti. Et bien, il dit, contrairement à ça, il y a un monde qui a sorti avec valise en meilleur, gros sac en meilleur, puis il a fait fouille.
et bien, jouent que Mounsa yo te gen zam nan men yo, te gen zam nan valise, te gen munitions tout. Je sais ça fait autorité dominicaine, pas les prendre responsabilité pour dire que zam, c'est la caille zam yo pas sorti pour entrer en Haïti, donc on prend toutes précautions nécessaires pour éviter ça. Mais mes sécurité a vraiment ou pas capable de pour camper là par et surtout pour plateau et ça relé des points de vérification. Côté que gendarme dominicain campo au demande pour nous sortir et dégager machine pour le sous pas quelque balle doit pour pas droit entrer et ou pas droit à porter balle doit tout aller non l'autre côté surtout avec frontière haïtienne dominicaine. Merci Jean-Robert Philippe. Et Jean-Robert Philippe, c'est envoyé spécial service créole la VOA créole en République dominicaine dans le moment que Haïti a vive une situation qui compliquée côté gang armé continue à simer l'intérêt dans Pétionville, c'était tête en bas. Nous allons rejoindre correspondant nous Massiado Villemé dans un petit moment et n'a dit Jean-Robert merci et puis et l'autre point cap dominé actualité à tout en avant que nous allons rejoindre gang armé cap simer l'intérêt gain Yves Manuel tout qui parlait nous de situation côté que et ben gampil suspense qui sous question conseil présidentiel de transition hein, et ben et nous connaît que d'abord gagne CARICOM qui gagne pour recevoir tout noyau et puis gagne pour passer le bail pour le ministre Ariel Henry mais nous parlons sous gangyo qui continue à assumer la terre nous parlons jeune Massiado Villemé depuis Port-au-Prince. Depuis 29 février passé, gang assiégé capitale là. Côté bureau administratif, aéroport, l'hôpital, banque commerciale, Sibi attaque groupe civil armé, cap mené une bataille sans camper contre gouvernement Ariel là. Et Pétionville pas épané en bazak bandi yo. Côté matin mercredi 20 mars 2024 là, nous rivé constater 5 corps sans vie qui est papier dans différents rues dans commune là. Jean-Robert Vincent, yon militant qui a évolué dans Pétionville, dit c'est monsieur vivre ensemble yo cap commettre zaxi là dans commune là. Et puis ensemble qui kembe Pétionville là cap casser Pétionville là. C'est vivre ensemble. Nèg barbecue yo, comprenez? Hier soir c'est fête qui fête dans 95, fête dans Monaza, fête dans Bristou, côté au place Bondi, yo chef gang qui les matandal. Mais une aujourd'hui là, mais kembe Pétionville là depuis hier soir pour matin là, yo voulait placer Bondi. Tout côté dans la commune, placer chef gang, mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas prendre la main. Pétionville pas péri. Nous-mêmes, nous sommes dans la Pétionville, jusqu'au bout. Nous disons que nous vivons ensemble encore. Barbecue, nous disons, vous amenez, nous prenons la virelle. Sous bouche moun, qui te mettez la main nous. Mais je dis, ah, c'est sous bouche peuple à mettre. Nous, Haïti, son gros pays, nous sommes grand peuple. Monsieur, nous sommes à Calais pour le tourner. Et peut pas y savoir que nous sommes à Calais. Nous-mêmes, Pétionville pas péri. Nous devons dire, dans le dernier jour, Pétionville est une commune. Nous sommes capables de mener l'activité sans aucune inquiétude. Avant canage 18 mars 2024 là, qui te pote aller la vie plus passé yon vingtaine femme ak garçon. Kèk machin qui te parle ak nou exprimer kèk asse yo gen pou commune là. Gen kouri gen manifestation men pa konn di konsa. Wa on tande bruit bal moun ap mou ap leve nan matin pou jwenn moun mouri et lò rive nan machin jwenn plusieurs moun la rive blanche. Matin mal la ville, jan mwen an ici ti am passé la ville ki ta pou blanche konsa la ville gen plus moun ke an ici. Donc vous passez oui, mais je vais la même garde. Je vais vous jambes, la bataille de mon mouvement comme ça. Je vais vous dire qu'on va la rue, mais nous allons vivre la situation. Est-ce que vous pensez que cette situation a fait Pétionville tourner même gens avec la ville? Ah, la ville, puis mal. Parce que matin, je suis en bas la ville. Pour mon mouvement, la ville, je suis en bas. Il était environ midi dans Pétionville, puis précisément zone Bristou. Force de l'audio, tu as croqué qu'on a bandit, tu as cherché si mes plis la trouble dans la commune. Depuis Port-au-Prince, moi, c'est Massiado Villemé, au VOA Créole. Donc, dans le moment, gang armé continue à simer l'intérêt dans le pays d'Haïti et puis précisément dans Port-au-Prince, il y a un gros responsable dans l'armée américaine qui fait qu'on est que pour le moment, Washington n'a pas de plan pour envoyer des troupes dans le pays d'Haïti. Sandra Lemaire, quel détail. Dans un forum, organisation Atlantic Council organisée pour discuter sur question sécurité, général américain Laura Richardson te répond question sur Haïti. Journaliste magazine politique américain Politico te demandé si États-Unis a considéré voyer militaire en Haïti. Not right now. Il dit non, pas qu'il military always continues to plan and be ready for any possible situation. Il ajoutait, l'armée toujours à planifier pour n'importe quelle situation possible. Certainement, ça a passé Haïti décevant. Donc ça, commandement sud l'appareil pour faire, c'est assurer réponse aux faits de façon humaine face à la crise actuelle là. Certainement, département d'État nous, avec négociations diplomatiques, avec solutions qu'il y a géré avec l'autre gouvernement en Caraïbes là, avec notre communauté internationale là, avec notre l'ONU tout, nous espérons que force a absolument remporté succès. Community and with the UN, we hope that those will absolutely be successful at the end of the day. Journaliste demandé après ça si troupes américaines t'as qu'à faire partie solution internationale pour crise Haïtia. They could be at the end of the day. We wouldn't discount that at any time. L'idée c'est une possibilité en fin de compte. Nous pas écarté possibilité ça. Si on connaît ça qu'a passé Haïti, ça nous ouais nos nouvelles yo. Qui donc nous paraît si au cas département d'État avec département de défense nous t'amandez nous pour nous faire ça. Department and our Department of Defense. Département d'État avec la Maison Blanche répété plusieurs fois que administration hein, pas gain intention participer militairement dans force sécurité multinationale qui gain comme mission aider police nationale Haïti combattre gang yo et puis sécuriser pays.
Kenya volontiers pour diriger force là que Nations Unies autorisées et puis contribuer 1000 policiers la donne. Et plusieurs autres pays, parmi les Bahamas, Jamaïque et Bénin, qui volontiers pour contribuer policiers tout. États-Unis promettent pour contribuer 300 millions de dollars pour appuyer logistique, équipement et services pour pays qui contribuent à force là. Cependant, il y a un sénateur et député républicain dans le Congrès qui refusé de décaisser l'argent parce que il dit l'administration Biden n'a pas bayo assez détails sur force là et il y a un doute sur possibilité pour le tribunal pays Kenya pas empêcher pays à participer dans l'effort pour sécuriser Haïti. En Haïti, chef gang haïtien Jimmy Cherizier, alias Barbecue, qui représentait groupement gang Vive Ensemble, menacé pour le combattre force là. Nous même haïtiens, n'a campé et n'a gourmé contre nous, n'a gourmé contre jusqu'au dernier goutte sang nous. Et gourmé ça, c'est peut-être ça nous sortir, nous pas gourmé ni Genève. Il va gourmer ni GPEP. Il va gourmer peuple haïtien pour nous garder dignité pays nous, pour nous sauvegarder souveraineté pays nous, et dignité nous gagner nous-mêmes comme peuple pour nous vivre ça pour nous. Opinion haïtienne en dedans pays d'Haïti, à la diaspora, dépamment par rapport avec l'idée pour les forces étrangères d'avoir aidé l'État à gérer l'insécurité. Il y a des gens qui croient la situation arrivée dans un point côté Haïti besoin d'assistance étrangère, tandis que il y a d'autres qui croient que c'est haïtien qui solutionnait le problème Haïti. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Et pendant que la crise a continué, suspense a continué sous composition officielle et installation conseil présidentiel transition. Pendant que CARICOM dit discussion a continué, nous restons sur place à Port-au-Prince, Yves Manuel. CARICOM déjà voyé nom membre conseil présidentiel transition avec premier ministre démissionnaire pour suite légale. Yon proche collaborateur, Ariel Ri, confié mercredi à VOA Creole, ancien chef primatien qui trouvait dans Porto Rico depuis plusieurs semaines, prend engagement pour publier non sa yo dans le journal officiel Le Moniteur avant longtemps. Si tout allait bien, installation membre conseil yo capable de faire plus rapidement possible selon sa source sa qui va devenir cité fait connaître. Conseil présidentiel là, qui la donne désormais membre sa yo, Edgar Leblanc fils, Leslie Voltaire, Marie Ghislaine Montpremier, Fritz Alphonse Jean, Laurent Saint-Cyr avec lui Gérald Gilles et leurs deux membres observateurs, c'est Pierre-Raymond André et René Jean Jumeau. Siège Petite Dessalines toujours été vacant pour le moment avec discussion qui en cours sous façon pour régler question selon ça nous apprenne. Créer conseil présidentiel là, c'est youn, mais installer, c'est ça qui est plus difficile là. Et vrai problème yo pral vini avec sélection yon premier ministre ak yon président, selon diverses politiques qui a réfléchi sur question. Dans l'intervalle, protocole 17 octobre, yon regroupement parti politique déjà soumet représentant pa yo by CARICOM dans l'idée pour compléter conseil là. Depuis plusieurs semaines, gang armé yo lancé assaut contre diverses institutions publiques ou privées dans la capitale haïtienne. Gang yo tué, brûlé, et puis aller à toute sa rejoindre sous passage yo sans crainte. Dans la foulée, unité spécialisée police nationale d'Haïti a tenté repousser dans certains endroits, mais résultat semblait pas pour demain. Moi c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Et par cela, il y a un leader droit monde qui souhaitait que la communauté internationale courir vite vite et aider le peuple haïtien qui a fait face à une grosse crise. Renan Toussaint, c'est correspondant à nous à Port-au-Prince. Dans le moment, le pays d'Haïti a fait face à une crise socio-économique, crise humanitaire, grand goût à chômage, côté même la banque PACA fonctionnait à cause insécurité et instabilité politique. Maître Anel Rémy, qui est président collectif avocat pour défense du monde, exhortait la communauté internationale là pour venir en aide à peuple haïtien pressé, puisque selon Maître Rémy, conseil présidentiel qui est formé pour installer dans tête pays, pas légal ni constitutionnel, il pape dans l'intérêt pays d'Haïti. Puisque nous avons un Caraïbe là, nous avons un pays isolé, et ça fait nous dire qu'il faut que la communauté internationale dégage et réagir rapide pour porter soutien ensemble avec nous, parce que nous ne pouvons pas prendre. La police a fait effort, c'est vrai, mais la police n'a pas capable pour tous. Dans ce sens, moi, exhorter que vous mesurez une décision à plus grande échelle pour supporter le peuple haïtien. Conseil présidentiel va le venir, mais conseil présidentiel pas qu'à diriger contre lui. D'ailleurs, son conseil présidentiel qui parle de facto. Son conseil présidentiel qui n'est pas basé sur la loi. Son conseil présidentiel qui n'est pas essentiel dans le monde de pays. Par contre, qui est de côté, conseil présidentiel, ça, il n'est pas basé dans la Constitution. Moi-même, comme avocat, je suis obligé de veiller à cela. Maître Anel Rémy pose une question pour demander. Est-ce que membre conseil présidentiel a capable de serment devant juge pour cassation yo sous qui base en vertu qui article la constitution li plaider en faveur yon seul personnage parmi sept membres yo pour capable régulariser situation? Est-ce que li pa vinn un coût économique pour pays a? Est-ce que li pa affecter dépenses l'état? Est-ce que li pa gen impact sous dépenses l'état, sous caisse l'état? Pour qui ça? Alors c'est position nous comme avocat, pour qui ça nan mitan conseil ça yo pa font choix final? Il y a 5 personnes, 6 personnes, on met ensemble, on dit, bon, on a résigné, on a désigné un seul monde. Il dit, son effort est titanesque lié, mais il faut le faire pour le bien du pays. Pendant ce temps, le Conseil présidentiel transition est capable d'installer incessamment, selon l'information, quelques formalités pour remplir, tant que publication dans le journal officiel de l'État, les moniteurs, non personnalité qui fait partie de l'entité.
Renan Toussaint, pour VOA Creole, Port-au-Prince. La prête toujours dans le pays d'Haïti, nous parlons de Kafoufeu, côté yon, et soi-disant chef gang, recevoir un gros accueil dans la population, qui est même gen occasion de retourner la caillou. Valérie Saint-Louis, gen détail sur point ça. Chef gang qui te fait sauver la prison principale Port-au-Prince là, télé les partisans liés hier mardi 19 mars là, puis ils reprennent contrôle commune Kafoufeu là, qui ont été perdu devant une autre gang ennemi lié après arrestation. Ezekiel Alexandre fait connaître que les retourner dans Katilia et population tout doit retourner. Je vais être avec un gars de les moi je suis en train et moi, je suis un monde avec tout l'hôpital de zone, si j'en ai plus facile. Mais je me disais, les assassinés là, c'est garder nous avec la population qui est à la caille. Mais on connaît, c'est un bail plus facile de garder sur le lendemain. Mais on connaît, avec la population, la personne est bloquée. Ezekiel Alexandre est sauvé dans la pénitentiaire nationale là, dans le commencement de mois ça. Il était joué à l'arrestation dans le mois juin 2022 dans la commune Kafoufeu là, pour soi-disant participation là, dans l'acte coup, tout le monde. Possession d'armes à feu illégales, viol et vol armé. Pendant qu'il retournait dans la zone, Ezekiel Alexandre est débarqué à la tête de tout le monde qui était envie de retourner la caillou après que gang Tilapio t'ait fait au courir chapé pour yo et dépossédé de caillou. Aujourd'hui, on l'a content parce que je tourne Kafoufeu, c'est grâce avec Ezekiel Alexandre. Parce que m'a capilé, j'ai série des zones, m'a capilé. Mais si on pile la journée aujourd'hui, là, nous pilons, qu'on est grâce avec lui-même qui fait nous pilons. Ezekiel Alexandre, le soi-disant chef gang qui était sauvé dans la prison, retourné le quartier Kafoufeu avec un full monde qui décidait de nettoyer la zone de bandits et fatra, les gens plus tard retourner vivre la caillou. Après visiter la zone, la population connaissait tout le monde de la caillou. Pour venir réparer la caillou, parce que quand il y a un bon milan à bouillir, yo, il n'est pas bon, il n'est pas bon. Vous comprenez, l'épaule crasée, tout le monde qui n'a pas pu craser net. Mais vous connaissez, il n'y a pas de café à vous pointer. C'est dialogue, les qui crasent la zone, comme Chita avec eux, Chita avec eux déjà comme lui, mais Chita avec eux. Et vous avez un téléphone intelligent, mais vous avez une population. Donc, on est retiré dans la zone de la population. N'a pas rappelé que le premier ministre haïtien Ariel Henry a annoncé semaine passée que le temps démissionné une fois que le conseil présidentiel là, qui a 7 membres d'année qui est capable de voter, à deux observateurs qui sont dans différentes coalitions politiques et secteurs de la société, t'a va mettre en place. Pendant ce temps, la capitale pays a été paralysée avec plusieurs nouveaux attaques qui étaient faites, d'un coup dix feux dans la prison principale là, qui quelques jours avant ça, ont été prisonniers sauvés, avec tout résident Sky privé chef police nationale là, que bandits ont été attaqués et mettaient dix feux là-dedans. Prouvez ou à créole. Valerio Saint-Louis, New York. Merci Valérie Saint-Louis. Dans l'actualité internationale, là, c'est toujours guerre Israël-Hamas là, qui a continué et qui domine l'actualité internationale. Là. C'est comme ça, secrétaire d'État américain Anthony Blinken, arrivé jeudi mercredi dans l'Arabie Saoudite pour première étape, sixième voyage dans la région Moyen-Orient depuis guerre Israël-Hamas là, commencé. Objectif, là, c'est, yon l'autre fois encore, c'est joindre un cessez-le-feu. Chef diplomatie américain là, qui vient pour visiter Israël vendredi, Kavina, dans un moment où il y a une grosse tension entre la Maison-Blanche avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Eh bien, chef diplomatie a visité Israël vendredi et l'a bien pour faire un stop tout dans le pays Égypte côté que objectif la clé c'est joindre yon cessez-le-feu pour capable et camper détérioration qui gagne dans la région Gaza qui fait face à une crise humanitaire sans pareil. Toujours dans l'international là et actualité concernant les États-Unis, deux tribunaux différents ici aux États-Unis rendent jugement différent sous loi État Texas TVT en place contre immigrants illégaux. Yon reportage Serge Rodriguez. Hier mardi, le Supreme États-Unis, qui est le plus gros tribunal pays, a rendu un verdict pour permettre l'État Texas de mettre en application loi qui visait considérer comme un crime action migrant qui a jambé frontière États-Unis partagée avec Mexique là illégalement. Mais on a jugement et un coup d'appel rendu sur le dossier jeudi mercredi 20 mars la même, question si on prend une autre direction, puisque le policier de l'État Texas n'a pas encore pour arrêter les suspects qui entrent sur le territoire américain sans papier. Et rien de légal ça, c'est un bagage qui était terminé depuis le mois de décembre passé, soit un petit bout de temps après le gouverneur d'État Texas Greg Abbott, de signer une mesure controversée pour criminaliser les migrants qui ont débarqué ici aux États-Unis sans autorisation. M. Abbott précise la Constitution en bas le droit pour passer à l'action. On a utilisé un article dans la Constitution qui bat l'État le droit pour défendre Tétio. Le gouverneur de Texas a fait connaître l'État de diriger a besoin de loi du fait que le président Biden n'a pas appliqué la loi fédérale pour empêcher les migrants d'entrer et réentrer sur le territoire américain, concernant la guerre de Texas dans la nécessité pour défendre tête. Pour bien dire, la loi immigration de Texas a menacé pour mettre illégal dans la prison pour 20 ans. Sous bois parler, l'administration président Joe Biden a lancé une action en justice pour bloquer la loi sous base que les violé la Constitution des États-Unis à la loi fédérale de ce qu'il y a empiété sur le pouvoir gouvernement fédéral là, qui a un seul droit pour régler la question de l'immigration. En tout cas, le ministre des Affaires étrangères pays Mexique, Alicia Balcena, a abordé le dossier brûlant ça. Qui ça donc a fait pour contrecarrer causer négatif ça? Ouais, ça qui est important, c'est dire que nous possédons une stratégie sous mobilité humaine. Mexique est un modèle unique qui peut exister dans aucun autre pays. Un modèle qui est basé sur pays d'origine, lieu de transit, lieu de destination et date de retour. Modèle ça, c'est modèle panneau. Ministre des Relations extérieures Mexique, Alicia Balcena, a qualifié loi État Texas là comme une approche anti-migrant, mais a créé ça pour monde qui sortit dans pays étranger. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Merci Rodriguez, n'a pas retourné dans réaction sous crise qui a traversé le pays d'Haïti et nous parlons dans le pays Brésil côté que communauté haïtienne et même tout y a une réaction sur ça qui a passé dans le pays d'Haïti et n'a pas joint Chelsea Jean-Baptiste depuis Brésil.
De jour en jour, situation pays d'Haïti a fin pi mal à cause d'un gyo qui passe spawn crasé brisé. Ça qui selon haïtien qui vit au Brésil, a fait fierté haïtien devant notre nation. Parce que moi même qui là au Brésil, m'a senti mal à l'aise, m'a senti bien. Comment on peut imaginer gère image les citoyens haïtiens c'est seulement qu'a vivre pendant le Brésil là, c'est pas un problème. C'est les yon blanc, yon brésilien Abdou. Mais ça la passe la veille. Là, on sent tout un problème, on sent tout humilié. Pour ça qui a rapport à l'autorité qui a pris pour assurer la transition, l'implication de la communauté internationale n'est pas nécessaire. Si nous voulons croire, quelques haïtiens qui ont réagi dans le micro VOA créole. Ça veut dire que c'est CARICOM, nous parlons de corps groupe qui vient là dans plusieurs pays, entre les États-Unis d'Amérique. Nous essayons même de prendre des décisions qui sont les présidents, c'est eux qui établent les critères. Mais c'est pendant que nous même entre nous-mêmes haïtiens, qui savent dire qu'il n'y a pas de peine en Haïti, qui n'y a pas de peine en Haïti, qui est le sénateur de la République, dans le pays qui a un casier judiciaire, qui a un certificat de bonne vie, mais c'est très net. Ça veut dire que ce n'est pas seulement pression étrangère pour faire pas occuper quelque soit pour cela, mais nous avons appuyé inconditionnel avec le sénateur Maurice Jean-Charles, qui est le leader du mouvement Petite Dessalines, qui va proposition avec trois personnes, qui vient parmi la famille du sénateur Guy Philippe. Ce n'est pas vraiment Guy Philippe qui sollicite, non? Comment qu'il demeure avec vous, comment ça va avancer plus devant? Le choix que nous avons besoin dans ce moment-là, c'est le choix de conscience, c'est le choix de sentiment, c'est le choix de caractère, c'est pas le choix de nous parler quitter le monde. Je vais t'amener nous. Nous-mêmes, lorsque nous parlons, pour nous parler selon Yodi, Blanc Yodi. Faut que nous dit, jusqu'à présent, il y a un pile d'autres sur ça qui a rapport avec mission conseil présidentiel transition 1. Chesley Jean-Baptiste, VOA Creole, São Paulo, Brésil. Merci Chesley. Et puis hier, c'était fête Saint-Patron, Ville-Fort-Liberté, fête Saint-Joseph. Et nous pourrons le rejoindre, et Jodelet Junior Saint-Ville. Qui va le parler nous plutôt de en mise à jour sous canal là? Travail construction canal irrigation rivière Massacla, c'est un signe vivant qui montre haïtien capable sauver agriculture pays d'Haïti parce que nous avons trop de cap gaspillé qu'al tombé dans la mer. C'est à parole ça yo, ingénieur Claude lui, commencé une interview l'été by VOA Creole pendant nous t'al visiter travail construction canal sous rivière Marion en aval. Paysan dans zone Malfiti yo commencé fouiller. Selon ingénieur Claude lui qui portait expertise li dans construction canal ça, l'est arrivé pour nous mettre de l'eau cap gaspillé yo en valet. L'eau ça, c'est lui-même on était capable du qui aval. Marion, travail que le président Jovenel a fait, c'est aval. Mais cependant, l'aide de l'eau arrivée là, ils font dispatching. Ils distribuent pour Concolette, ils distribuent pour Gatsaline et ils distribuent pour Jean Pantalon. Qu'en après depuis longtemps que l'eau ça y est, c'est gaspillé, y a gaspillé. Qu'on y a nous-mêmes, nous décider pour nous motiver, pour nous capables de mettre l'eau en valeur. Et c'est parce que nous pouvons mettre de l'eau en valeur qui permet que nous venions jouer KPR qui veut dire canal Pired et dans Malfiti. Posez la question à qui niveau vous avez à construction nouveau canal ça dans Malfiti et qui groupe monde qui a eu force courage là-dedans. Ingénieur Claude lui, te répond comme ça. Exactement, du mois de novembre à jeudi, nous sommes en phase de fouille. Et côté que nous avons balayé l'âge, qui a passé à 1,60 m de l'âge, qui a passé à 0,80 cm. Pour que nous soyons capables de fouiller toute trajectoire de 7 km environ. Pendant que nous avons passé de 86 km. Que nous avons fait fouiller ensemble avec nous. Ingénieur Claude, lui, a tout profité, lancé un appel à tout haïtien pour porter contribution par eux dans la construction du canal Sahara dans Malfiti. Nous faisons appel à chaque haïtien qui vit dans le monde pour que nous soyons capables d'avancer à travers là pour captage spécialement. Et le comité a tellement organisé, nous commençons à recevoir ciment. Le comité a recevoir ciment, nous avons un bureau, un dépôt. Parce qu'il a pour recevoir. Nous avons Agonome Jonathan Cosmos qui est président, que n'importe qui veut faire aide, l'après-midi, il est dans 42, 76, 45, 82. Jodelet Junior Saint-Ville, depuis Malfetti, commune Fort Liberté. L'autre information que nous portons pour, eh bien, nous allons aller directement dans la déclaration ancien premier ministre Laurent Lamotte, qui a pile le monde connaît qui était passé dans tête pays par rapport à la crise politique là, qui a ravagé le pays. On a parlé de insécurité côté de l'atrier avec tout document qui déjà préparé là et bien pour ta gain conseil présidentiel 7 membres pour ta prête tête pays là et bien la motte lui-même li parler n'a pas rappelé un document si là lui-même qui signe là pour accepter et bien ou obligé accepter avec force mission multinationale là pour venir sous territoire national là Laurent Salvador Lamotte ancien premier ministre là li croit gain nécessité pour rétablir police nationale là au lieu pour payer et puis à compter sur force étrangère qui sorti ou bien qui ça lui-même li fait dans semaine si là ancien PM là lui-même li proposer pour gagner l'autre investigation qui fait dans la police là avec la force l'armée haïtien li fait connait ancien PM là fait connait que force étrangère lui-même qui t'a dû venir il pas porter un bagage qui trop bon et bien
l'armée d'Haïti qui là qui pas en fonction avec la police là nous pouvait nous capable éclairer que la police nationale yo même yo capable cette manquer pour ta gagner un petit moyen qui fait la passe mais nettoyer ça qui pas bon yo retirer voyer jeter et quitter mon gagne yo toujours gagner bon policier yo même dans cadre qui gagne pour avec bataille qui ta doit mener dans pays d'Haïti et nèg l'armée yo même yo capable tout mettre avec une unité spéciale nous gagne dans la police là qui toujours a fait bon travail yo te capable bailler solution li pas nécessaire et bien pour ta gagner force étrangère parce que police nationale mais là avec l'armée est capable ba nous solution avec situation que nous même n'a traversé dans pays d'Haïti là. L'autre information que nous porté pour et bien n'a checké nouvelle là bout par bout pour nous aller dans pays les États-Unis n'a faut connait sorti dans l'année 2017 pour 2023 USCIS qui est site immigration américaine là découvert que Franklin Javier Pérez Rio qui sorti dans pays Honduras lui-même lui déjà fait plus passer 425 moun payer pour le faire venir résidence pays les États-Unis migrants ça eux-même qui dans environ 14 états victimes là en bas mais Franklin nan Florida côté Franklin nan c'est nan Florida monsieur lui-même ni rete directement nan côté crelé Pensacola et bien citoyen lui-même li fait passer pour avocat immigration nan pays les États-Unis non seulement le passer pour immigration il passer tout pour employé nan gouvernement américain li était en fait environ 2 points et bien citoyen si la pour Zack l'a mené en li déjà fait yon affaire de 2.8 millions dollars américains côté li fait mais la pour mettre toute l'argent ça et puis lui même l'a gain pour le passer 9 l'année dans prison qui donc depuis dans pays les États-Unis c'est là on pense yo fait ti cocodayou et bien pas rien qui sorti clair pour parce que y a metto en bas code bien rapide et puis faut payer pour Zack contre gain depuis 2017 pour arriver 2023 citoyens si là les même l'a fait moun payer pour bailler résidence dans pays les États-Unis on bagaille en pile monde déjà connaît qui pas trop facile dans pays Joe Biden lui même li président pour moment là et bien monsieur li passer tête li et bien comme moun qui travaille dans gouvernement et pour l'a toucher comme pour capable faire moun joindre résidence. L'hôpital général dans pays d'Haïti a annoncé qu'il va reprendre service à partir de 1er avril 2024 là et bien c'est directeur Jude ou bien directeur exécutif là qui c'est docteur Jude Milse c'est ça lui même li fait connait que l'hôpital là n'a pas rappelé il était fermé à cause de violence gang coalition gang yo même yo fait ensemble là criminel yo même dans zone en bas la ville là et bien ça qui t'a pas la cause l'hôpital ou bien plus gros l'hôpital pays là lui même qui c'est l'hôpital général et bien pourquoi il est là qui pas en fonction pendant gang yo même yo continuer à vider mon tête à bail mon balle et bien plus gros centre l'hôpital pays là qui c'est l'hôpital général et bien li trouver le fermé et yo annoncer réouverture l'hôpital c'est là lui même qui vient pour le fait dans date qu'à 1er avril 2020 24 k'ap vini la yon ti coup de pied dans pays la France n'a pas connait et bien la douane française yon a fait de 2.7 tonnes de cocaïne dans port la Havre li même ça passé lundi qui était 18 mars 2024 la agent douanier ont découvert que te gagné 2440 pains cocaïne passé yon même yoté 2000 lycée et bien pour être capable passer et bien te gagné un conteneur tout marchandise qui était sorti dans pays Guadeloupe côté eux même yo t'a traversé d'après ça autorité eux même yo fait connait et bien port la Eve là les mêmes c'est principal porte entrée drogue yo dans pays la France selon ça journal eux même yo publié et bien je quitté lundi 18 mars qui sont passé là côté que met toute drogue ça eux même yo t'a sorti dans Guadeloupe pour traverser dans pays la France n'a pas connait Guadeloupe là tout c'est une partie pays la France eux même qui c'est pays il sous ta gagne nationalité Guadeloupe et bien tout français et bien pas gagne trop difficulté pour bagaille ta sorti Guadeloupe pour rentrer et bien douane dans pays la France yo arrivé kembe toute cocaïne si là toujours sur l'échelle internationale la pour qu'on gagne environ 4 palestiniens qui mouri dans cadre d'une opération l'armée israélienne lui-même li tap mené dans cadre dans camp côté qui gagne réfugiés tout le Karem yo et bien dans zone si là lui-même qui trouvait le nom Sid Jordani et bien d'après ça l'armée a fait qu'on ait gain des touristes qui tombé yo te représenté yon menace pour force israélite là mes amis bagaille vraiment drôle là dans guerre là lui même qui pour jamais camper et n'a pas bloqué ça qui gain bon bout de temps côté en pile monde continue à mourir et bien même monde qui dans réfugié yo pas épargné surtout dans guerre là les mêmes cap mené qui font pile parler en pile là surtout dans gouvernement américain qui en pile monde yo même yo t'a appelé accusé comme quoi monde cap soutenir Israël lui-même pour continuer à bombarder ou bien continuer marcher sous fiel moun palestinien côté qui en pile mêlé avec Gaza et donc information
yo pa piti kote gen si la li gen an pil moun mouri malgré gen Ukraine nan li même selon information ki spécialiste yo fait sou Haïti et bien Haïti ta semble gen plus moun ki mouri nan gen Ukraine kap mené li même avec la Russie qui c'est un autre gen. L'autre information nous va aller directement dans conseil CARICOM. Conseil CARICOM nan et bien qui fait un bonne parlant pile là après conseil Maurice Jean-Charles là les mêmes qui gen Guy Philippe juge dirait avec madame Villiers yo même yo tab gen pour installer demain vendredi à là demain vendredi à et bien c'est ça la presse trois moun sa yo même yo informé ancien sénateur noir voyé et bien moun nan conseil CARICOM nan côté li té qualifié qui té coulé cette tête là yo bien en ta à soi mercredi pour Guy Philippe bagay la li même li c'est un rimé parce que proche Guy Philippe dit yo pas quoi Maurice Jean-Charles tap café yon bagay comme ça vrai et bien tout moun pa kwè nan sa et bien yo di c'est pas vrai pa gen aucun pays kap mande sénateur a pou le faire yon bagay comme ça même si Moïse relé quel que soit moun nan société a pou quel que soit commission et bien conseil nan tan sa kap vini la yo dwe prudent parce que ancien sénateur a toujours a blaze moun il pa mande aucun nan trois moun sa yo ni famille yo excuse publique pou donc li seulement prend côté li fait connait malgré ça autant de là nous pral gagne yon pouvoir côté li pral gagne pa aimer des ti oui moi et bien souhaiter Ariel Henry ou même nous pral tande côté li pral gagne avec bel trio ça là on prend exemple pa aimer des ma bon blague ti oui a fait sous le flanc devant Maurice Jean-Charles Abdil pa égaré Maurice Jean-Charles Abdi et bien pral gagne couri Maurice Jean-Charles qui pral bail tout détail qui gagne là et bien bagaille là paraît yon ti gens négatif ou pile moun qui trouvait Maurice Jean-Charles de charlatan après rappelou dans un poste Maurice Jean-Charles te fait jour qui était 28 janvier 2024 là dans midi 30 soit sur Maurice Jean-Charles ou il fait connait nous accueillir décision haute cour justice Kenya avec satisfaction et bien c'est une victoire pour haïtien qui campait en face présence force étrangère sous liberté à victoire démocratique géopolitique gain l'autre victoire dans route force légale nous yo gain capacité pour combattre insécurité et bien volonté qui gagne et bien en pile monde te connaît Maurice Jean-Charles te gain ministre li dans gouvernement Ariel Henry et après scandale passeport diplomatique là en pile militaire qui te quitté parti politique petite Dessalines nan mois mai 2022 et bien Ariel Henry te décidé faire fête drapeau fief nan au cap côté Maurice Jean-Charles pas dit rien et bien chaque monde yo même qui te toujours campé chaque blanc yo même yo gen moun pa yo donc chaque monde qui gen blanc pa yo jodi a Maurice Jean-Charles li même li d'accord pour force étrangère vini sous pays a malgré li même li tap couri d'elle et n'a pas rappelé tout moi li même li pas jam trop en face trop sinon moi te quand vous camper en forme li même li pa tap arrête nan rien qui te gen en face Ariel Henry après bande de blousay qui te fait Ariel Henry te passé là nan non ça pas gen rien qui te fait et bien tout de suite après c'est pendant Guy Philippe rentré à la assemblée moi suspect li te capable perdre popularité et bien Guy Philippe te lancé révolution moi li même li te rentré nan révolution avec toute force mais bagay tout moun wè en bas moi bien clair kounya côté moi koui li même li aller directement la joine CARICOM information ça pile moun pa vle kwèl malgré sou ap gade vidéo public parler de ça ou pour commenter k'ap fè kwè c'est pas li y'a parlé mal li des petites Dessalines nan mais les amis c'est vrai moi pou ko di rien malgré moi t'a parlé sou ça jou ki te mardi a et bien hier mercredi a moi t'ai parlé nan bonnet et bien nan après-midi tout moun sezi tande nouvelle la kwèl li la bagay yo mas ki te nan figi moi la li tombe plate a te en pile moun te kon Maurice Jean-Charles te gen ministre li nan gouvernement Ariel Henry et bien après scandale passeport diplomatique ki te fin fait nan 2022 tout moun te commencé te wè parce que dirigeant petit Dessalines yo même qui t'en fait problème et ben l'elle t'a demandé est-ce que c'est égaré li a li t'a gen raison l'endemain c'est sous Caraïbes li t'a dit c'est Adouin Séphirin li même pouvoir te voyer parler avec lui Maurice Jean-Charles t'a ban nous débouda et bien nous déjà ouais tout Maurice Jean-Charles c'est un tambour débouda l'a joué jouet ça longtemps li pas jam compte pouvoir mateli avri Jean mon t'a pensé il t'a dans équipe Jovenel là tout il était toujours prend pause opposant lui et puis l'argent t'a vinn joine lui il pas jam l'autre monde et donc c'est un faux nationaliste yon apatride qui relé tête li petite Dessalines et bien c'est lui c'est pas livré c'est pas li oiseau pas al nan la guerre mais le voyer plim li derrière et bien mo derrière coup Maurice Jean donc dernier coup que Maurice Jean-Charles lui-même li bay là
l'aile réaliser tout bon Ariel Pap arrêté et bien li mette pied à terre dans manifestation li fait alliance avec Guy Philippe et puis li cementé 7 fois 77 fois conseil CARICOM nan li même li pa ta privé installé parce que force étranger pap vinn soute papa de Saline et bien qui c'est une nan critère pour rentrer dans proposition CARICOM là et bien li te dit fois ça c'est haïtien qui pour décider fou Moïse Jean-Charles Feyon coupe et bien avec 360 degrés côté li voyer moun parle dans conseil ici là pour elle là conseil coulève cette tête là li déjà fini rempli là et tout moun saisi même moun fou arrivé saisi masque qui était dans figure Moïse là li réussi tomber à clair pour en pile moun li même li était capable faire loué et bien qui est lié tical confiance malgré tout ça que te kon di yo et bien li arrivé fait pour en pile moun Moïse Jean-Charles li même li pap capable président dans pays d'Haïti vrai et surtout li même li pas semblé nèg cap goumer pour pouvoir li plus semblé yon nèg li même cap goumer de ça moun pa ta comprendre ou bien des petits l'argent la paye pour pile nèg tout en pile parole qui t'a dit même nan pouvoir journée là Moïse Jean-Charles qu'on a prend manifestation dans la journée et bien nan nuit li même li rentré en dans caille là négocier de l'argent avec dossier journal Moïse même qu'on dit tout nèg dans l'arrière cap dit aba et bien en cachette yon même yon rentré yal touché comme Moïse Jean-Charles montré à clair que lui-même li pa un nationaliste li pa un moun vrai cap goumé li prend chaï là bien rapide li te voye chaï là sous dos là aussi il fait connaître là aussi qui te dit et là aussi pas t'a jamais dit si tout là aussi pas t'a participer dans dossier qui vient pour avec dossier créé présidentiel qui nèg même yo voulait mettre sous pays d'Haïti la paraît vraiment honte là et bien pour un pile monde cap dit est-ce que Guy Philippe lui-même li perdit bataille bon nous pour là mais ça qui vrai Moïse Jean-Charles trahi est-ce que Moïse Jean-Charles tout c'est pas un plan li te gagne pour te cap vinn blou mouvement nan men Guy Philippe parce qu'il prend devant il propose l'ap goumer il n'a pas gardé Moïse Jean-Charles te vinn prend tête mouvement côté Guy Philippe te lagué Moïse Jean-Charles pour qu'on la bataille même Guy Philippe te fait silence et bien Moïse Jean-Charles t'assemblé il te gagne cool bien préparé il te gagne droit te gagne faire des têtes il t'a organisé qui donc il paraît à clé là il lagué quoi tout monde saisi pas gagne monde quoi grand pile monde là c'est remédiable parce que pas gagne monde t'étant à cou ça Jean Moïse Jean-Charles t'a chauffé dans la ria là proposer il te pi gros jouer mettre béton à chauffer et bien Moïse Jean-Charles bay monde coup surprise. L'autre information que nous portons pour vous, nous aller directement dans le pays, les États-Unis qui toujours abaille dossier dans le dossier CARICOM. Il faut qu'on ait une autorité dans le pays CARICOM. Il fait qu'on ait hier mercredi qui était 20 mars la négociation pour former le conseil présidentiel là lui-même pour avancer dans le moment si là il a avancé bien loin côté violence gang même il y a tout capital là et bien il a continué ambassadeur Guyane dans les Nations Unies qui c'est Caroline Rodriguez lui-même. Li te fait konnen ke li ta pa répondre question sou chita causé qui gagne et bien discussion ça yo même yo a continuer et bien moi certain li pral prend yon titan mais tout de suite nous même nous déjà montré signe que yo a avancé avec dossier si là yon source dans gouvernement haïtien dit AFP qui c'est un journal que nous moun kounya et bien que pour moment kounya là CARICOM yo même yo poko voye aucun liste by premier ministre Ariel Henry qui déjà démissionné alors que correspondant VOA Creole yo même yo té nan Port-au-Prince qui té parlé avec sous proche gouvernement qui dit premier ministre la li recevoir yon liste non déjà et bien yon conseil spécial PM Ariel Henry té dit sous chaîne télévision américaine qui c'est CNN et bien semaine ça a passé parce que c'est seulement Ariel Henry avec cabinet li a qui ka nommé officiellement yon conseil transition k'ap gagné constitution en dans depuis li recevoir non yo c'était ça nouvelle la te fait konnen et bien pays Caraïbes la Haïti qui gagné yon vide nan pouvoir exécutif là avec législatif là et bien tombé nan yon crise sociale avec politique après chef l'état Jovenel Moïse lui-même qui té mouri assassiné la kayli tout monde te konnen nan date nan nuit qui té 6 pour le 7 juillet 2021 là et bien dernière fois une élection était faite en Haïti c'était dans l'année 2016 dernière fois c'était année 2016 qu'on a nous presque gain 10 ans là pas gain bagage qui gain pour avec élection Jovenel Moïse était supposé faire dans fin mandat là 2021 et bien PM Ariel Henry que Jovenel Moïse après il était fin mourir ou bien il était nommé avant il était mourir malgré le pas de installer là et bien il était dans tête pays pour être capable organiser élection Ariel Henry qui t'a fait face avec en pile opposition pas jamais retourner dans pays là après yo même yo voyage qu'il était fait dans pays Kenya il était d'accord 11 mars qui était saute passé à la pour te démissionner dans tête conseil présidentiel
ou bien en tête primati là pour être capable de installer un conseil présidentiel. Et bien même jour ça plusieurs pays avec organisation tant que communauté Caraïbes là qui c'est CARICOM et bien que Guyane préside pour Kounia là et bien les mêmes l'été réuni en Nijas dans pays Jamaïque dans ville Clinton et bien dans fin réunion à côté yoté annoncé formation un conseil présidentiel transition qui t'a gain là-dedans le représentant parti politique haïtien yo. Et bien mercredi violence gang dans lui-même li continue qui était hier mercredi à la dans zone Port-au-Prince là et bien après gros coup de zam tap chanté pendant la nuit là d'après ça témoin eux-mêmes yo te fait connait dans journal AFP et bien les gamé eux-mêmes y a cherché depuis mardi na soir pour yo t'apprendre contrôle plusieurs quartiers dans Pétionville et bien d'après ça trois moun yo même qui t'est rivé dans ville si là yo te dit AFP et bien tiré yo te continue tout hier mercredi a et bien d'après même sous ça résident yo te tombé monté barricade certaines zones et bien avec quelques routes principales pour cacher et bien protéger tête yo contre nèg armé si là yo même qui t'a parlé la cause activité yo te ralenti dans capitale pays n'a pas parlé tout pendant barricade ça yo en pile bandi yo même yo te arrivé tombé journal nous appelé pour voir c'est AFP les même qui t'est publié journal si là pendant journée hier à côté yo te bay résumé des actualités pourquoi il est là et bien t'assemblé toute bagaille fin là bon là carotte là déjà quitte et bien si Maurice Jean-Charles lagué opposition à nous déjà ouais là si Guy Philippe lui même pour col yo toi yo pas capable est-ce qu'il y a un accord pour ça fait nous pour connaître bon pile monde yo dit c'est à cour de cassation qui était supposé installer conseil présidentiel là ou bien qu'on t'a tourné en provision un gouvernement provisoire pardon et bien pour l'autre tout même yo était d'accord c'est Guy Philippe et bien pour empire dans parti politique yo pour une majorité et bien yo même nèg qui pi gain poids yo là yo lagué yo dans CARICOM pourquoi il est là après parti Guy Philippe là et bien gain l'autre petit parti en bas qui était déjà signé accord pour Guy Philippe le président. Nous pouvons connaître qui ça qui va le passer dans dernier moment là mais ça qui paraît cali vraiment grave depuis Maurice Jean-Charles fin trahi là pour un pile monde yoé et bien t'assembler toute plante a tombé dans l'eau. Est-ce que toute plante tombé dans l'eau? Nous pouvons là mais ça qui paraît vrai Maurice Jean-Charles aller et bien dossier yo paraît flou pourquoi il est là nous pouvons connaître qui ça qui va le sortir dans dernier jour dans dernier accord là et bien demain vendredi a yo était supposé installer trois membres dans tête pays Maurice Jean-Charles Departial s'il Departial est-ce qu'il continue à prêter nous pouvons là il faut connaître Claude Joseph tout lui-même qui a boumé qui était déjà parti à nèg yo li changer monde premier monde ni était gagné dans tête qui pour aller pour lui et bien li changer le pas un l'autre li remplacer le bien rapide pourquoi il est là nèg yo c'est goumé c'est mettre maille pour yo si yo capable joindre pouvoir yo tout politicien haïtien c'est donc c'est là que nous mettons fin dans vidéo nous pour aujourd'hui un grand merci avec ou même qui t'a regardé vidéo ça jusqu'à la fin. Pas oublier une des premières façons que vous pouvez faire ou capable faire sentir travail n'a pas arriver sur vous c'est le quitter un like sur vidéo et le abonner avec channel là tout. Pas oublier activer la cloche notification et mettre le sous toute une façon pour YouTube capable toujours notifier à chaque fois que nous poster une nouveau vidéo pour sur channel ça. Partager vidéo avec vos amis, vos familles, une façon lui même pour capable joindre information à tout et pour ça on aider nous grandir communauté channel là. N'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable chercher information à quel que soit côté lié à l'aile passé à pour nous porter pour pas oublier sur channel ça nous pas fait information mais nous bail information Jean lié à dans n'importe là et bien ou pas regrette même une seconde côté t'es abonné avec channel là parce que n'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable que vous informer sur channel ça quel que soit nouvelle là Haïti ou à l'étranger et bien ou a besoin ni sur channel ça sans retirer sans mettre. Eh bien, n'ap di au revoir tout le monde. N'ap revoir encore dans une prochaine vidéo, dans un titre qui pas trop long sous même channel ça.